Merci de nous recevoir chez vous à cette émission Constica All Week News. Nous allons parler de politique, c'est l'essentiel même de cette émission, et surtout de montrer aux yeux du peuple, d'abord de l'Afrique et des différents pays respectifs, ce que font nos leaders, à savoir nos chefs d'État. Nous allons parler énormément du Gabon. Le Gabon qui a marqué l'actualité politique en Afrique, une actualité politique qui est un exemple de la maturité gabonaise et surtout de savoir que désormais les Africains sont hyper responsables et savent prendre leur destin à main. Nous parlerons de la Côte d'Ivoire où le président de la République fait des prouesses. Un peuple dont tout ce qui se passe, y compris les élections récentes apaisées, se sont passées dans un climat pratiquement fraternel. Nous parlerons du Tchad où le président de la République tchadienne, lui aussi, marque le pas et a une adhésion totale de son peuple, c'est-à-dire de ses compatriotes. Nous irons aussi faire un tour comme ça du côté de Bénin, le président Talon, qui lui aussi n'a cesse de vouloir apporter du bonheur à ses compatriotes. La politique sera rythmée dans cette émission Constica All Week News. Merci de rester des nôtres. À l'entame de cette émission, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a vécu récemment des élections municipales et régionales apaisées. Alors, un grand parti, l'un des premiers partis de la République de Côte d'Ivoire, le RHDP, a simplement fait un raz-de-marée. Le raz-de-marée du RHDP, rien de plus boostant de voir surtout l'orfèvre de ce premier parti de la République de Côte d'Ivoire aux côtés de son épouse et des membres du cabinet présidentiel aller accomplir en qualité de citoyen un acte civique qui prouve à souhait la responsabilité que doit avoir tout citoyen dans un pays, à savoir aller faire son acte, aller voter. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qu'accompagnait sa charmante épouse Madame Dominique Ouattara, et les membres proches de son cabinet présidentiel ont choisi Cocody, leur lieu habituel de vote pour ces municipales et régionales. Reportage en Côte d'Ivoire, Ousmane Koulibaly, Raoul Sonkwe. Le samedi 2 septembre 2023 a été une journée électorale apaisée en Côte d'Ivoire. Les populations ont pris d'assaut les bureaux de vote pour élire les maires et les conseillers régionaux. C'est le devoir de tout citoyen. Et le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, est allé l'accomplir accompagné de son épouse, Madame Dominique Ouattara, aux côtés desquelles l'on a aperçu Madame Massere Touré-Kone, secrétaire général adjoint de la présidence de la République. Il était un peu plus de 11h30 quand le cortège présidentiel a fait son entrée dans la cour du lycée Sainte-Marie de Cocody à Abidjan. Le bureau de vote numéro 7 est celui dans lequel le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, et son épouse Madame Dominique Ouattara ont accompli leur devoir citoyen en mettant chacun son bulletin de vote dans l'urne. Un acte que le président Alassane Ouattara et son épouse Dominique ont accompli après avoir satisfait à toutes les formalités sous les regards des agents de la CEI ainsi que les forces de maintien de l'ordre et des observateurs. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, s'est ensuite adressé à la presse en appelant les Ivoiriens à sortir massivement voter. Je viens de voter. Je voudrais dire que j'ai suivi de très près avec le ministère de l'Intérieur la campagne électorale. Je me réjouis de dire qu'elle a été apaisée. Nous avons eu quelques signes d'incivisme ici et là, des déchirures de photos de candidats, mais évidemment pas de violence. Et ce que je souhaite, c'est que la journée électorale se déroule de la même manière que la campagne. Les uns et les autres disent qu'il y a beaucoup de candidats indépendants. Bon, tout le monde connaît ma position sur la question, même s'il y a des sanctions, mais ceci traduit une certaine vitalité de la démocratie. Bien sûr, nous qui sommes responsables de partis politiques, nous souhaitons que la discipline du parti soit respectée. Nous verrons ce soir le score des indépendants. En ce qui concerne les partis traditionnels, je voudrais dire que, bien évidemment, nous devons travailler en toute confiance. Et là, c'est la première élection locale où tout le monde a participé. Vous vous souviendrez qu'en 2018, certains partis n'avaient pas participé.
pour les raisons qui leur sont propres, mais je me réjouis que cette fois-ci, comme pour les élections passées, les choses se fassent dans de bonnes conditions. En tout cas, je souhaite que la participation soit la plus forte possible. Je demande à nos concitoyens de sortir massivement, d'aller voter. Les élections municipales locales en général ne drainent pas beaucoup de monde. Le taux de participation est de 35 à 40% en général, depuis l'indépendance d'ailleurs. Mais je souhaite que cette fois-ci, nous ayons un meilleur taux pour conforter et montrer que la vitalité de la démocratie en Côte d'Ivoire continue de se renforcer. Bonne journée électorale à chacune et à chacun de vous. Bonne chance à tous les candidats. Nous quittons la Côte d'Ivoire pour le Gabon. Le Gabon, ce pays du père de l'indépendance, son Excellence Léon Ba, et du père de la nation gabonaise qui a réussi à réunir tous les Gabonais, le président Omar Bongo Ondimba. Ce Gabon qui a vécu un moment exceptionnel souhaité par tous ses ancêtres et par tous ses deux parents de la nation gabonaise, à savoir le père de l'indépendance Léon Ba et le père de la nation gabonaise Omar Bongo, c'est-à-dire de voir et de préserver la paix et la cohésion sociale dans ce pays Gabon. Chose faite par un groupuscule, pour ne pas dire l'ensemble des forces de défense et de sécurité nationale gabonaise, avec quelqu'un choisi par tous, c'est qu'il est désormais tenu d'appeler simplement le sauvetage patriotique, pour ne pas dire le sauvetage national. Ou encore, comme le disait si bien le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui n'est autre que le chef d'État gabonais depuis le 4 septembre, un sauvetage de la nation qui, par devoir des forces de défense et de sécurité gabonaise, a évité au Gabon une effusion de sang incontrôlable et des dérives en tout genre. La rédaction de CNN, par la voix de Raoul Sankwe, nous fait le point de ce qui est salué par tout le peuple gabonais et qui frise même le respect au niveau international. La paix, la cohésion sociale et un patriotisme inégalé. Reportage, Raoul Sankwe. Depuis l'avènement des élections tronquées du 26 août dernier, dont les résultats donnaient la victoire au candidat du parti PDG Ali Bongo Ondimba pour un nouveau mandat à la tête du Gabon avec 65% des voix. Une fraude électorale qui a entraîné la prise des responsabilités de tout le corps des forces de défense et de sécurité gabonaises pour sauver, comme ils le disent, le peuple gabonais d'un naufrage programmé. Ainsi, l'armée républicaine gabonaise a annoncé le 30 août 2023 la fin du régime d'Ali Bongo Ondimba, qui dirigeait le Gabon depuis 14 ans, moins d'une heure après la proclamation de sa réélection lors de l'élection du 26 août, estimant que les résultats de ce scrutin avaient été tronqués, procédant ainsi à l'annulation des élections et la dissolution des institutions de la République, notamment le gouvernement, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique, social et environnemental, le Centre gabonais des élections. De même, les frontières du Gabon ont été fermées et le président de la République déchu Ali Bongo Ondimba et sa famille placés en résidence surveillée. Au lendemain de cette prise de pouvoir par l'armée républicaine, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, âgé de 48 ans, a été désigné président du Comité pour la transition et la restauration des institutions. En tant que président du Comité de transition pour la restauration des institutions, le général Oligui Nguema a entamé une succession de consultations médiatisées, d'abord avec l'ensemble du clergé et de toutes les confessions religieuses, comme pour dire que pour lui, Dieu est au-dessus de tout. Ensuite, avec les chefs d'entreprise, les syndicats, les membres de la société civile, les leaders des partis politiques et anciens ministres, les ONG, les diplomates, les bailleurs de fonds et les journalistes, afin de connaître quelles sont les attentes réelles de tous les Gabonais. Commandant de la garde républicaine gabonaise, le nouvel homme fort du Gabon a promis de faire de la lutte contre la corruption et de la mauvaise gouvernance son principal cheval de bataille avec le redressement de l'économie et la redistribution des richesses du pays aux populations gabonaises. Dans la prise de ses responsabilités, l'armée républicaine a procédé à l'arrestation des hauts dignitaires du régime Bongo, accusés de haute trahison contre les institutions, détournement massif des deniers publics, malversations financières internationales en bande organisée
faux et usage de faux et trafic des stupéfiants. Des vidéos des responsables interpellés, parmi lesquels Noureddine Bongo Valentin, fils d'Ali Bongo Ondimba, ont été présentées et multidiffusées sur les médias publics et sur les réseaux sociaux. Pour créer un climat démocratique au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, a également, sans préciser la date annoncée, l'organisation des élections libres, transparentes, crédibles et apaisées. Ceci après avoir fait adopter par référendum une nouvelle constitution pour des institutions plus démocratiques et respectueuses des droits humains et gabonais. À ce titre, l'une des réformes suggérées sur les critères de candidature à la présidence de la République du Gabon stipule que, désormais, au Gabon, il faudra être gabonais né au Gabon, avoir une épouse gabonaise, elle-même née au Gabon, pour prétendre à la magistrature suprême. Des actes qui, pour bon nombre de Gabonais, montrent que le général Oligui Nguema, président de la transition du Gabon, a à cœur de reconstruire un nouveau Gabon qui fait honneur à tous les Gabonais. Pour eux, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, pourra apporter des solutions concrètes aux différents maux qui minent le Gabon. En ce sens qu'il est dans le système présidentiel depuis l'époque du père de la nation gabonaise, Omar Bongo Ondimba, et qu'il connaît bien les attentes du peuple gabonais. Comme il le disait lui-même, pour changer un système, il faut être dans le système, et c'est quand on est au sommet qu'on le change. La Constitution est le texte fondateur d'un État. Elle consacre ses institutions, ses procédures particulières. Or, ces mécanismes de représentation n'arrivaient plus à mettre notre sécurité en situation de suivre. Il est donc important que les Gabonais de toutes les couches s'accordent pour adopter une nouvelle constitution par référendum et un code pénal fiable. Qui garantissent à tous les mêmes chances. Prêtant serment comme président de transition le 4 septembre 2023 devant les juges de la Cour constitutionnelle et devant tous les Gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, âgé de 48 ans, se positionne en homme idoine, homme de la situation, pour impulser un réel développement du Gabon. Depuis quelques jours, le Comité pour la transition et la restauration des institutions a entrepris des consultations avec toutes les forces vives de la nation. Les préoccupations soulevées sont légitimes et limpides. Aussi, avec le gouvernement qui va être mis en place dans quelques jours, composé de gens expérimentés et de personnes à la compétence avérée, nous allons nous atteler à donner à tous des raisons d'espérer à une vie meilleure. Ici et maintenant, je m'engage solennellement à ne ménager aucun effort pour qu'à l'issue de cette transition, notre pays, le Gabon, soit doté d'institutions fortes, démocratique et crédible. C'est donc une nouvelle page qui s'ouvre pour écrire une histoire nouvelle du Gabon. Je vous ai dit au début de cette émission qu'on parlera beaucoup du Gabon, c'est vrai. C'est une leçon à tirer et surtout de voir qu'aujourd'hui en Afrique, nous devons faire des choses comme cela. Aucune effusion de sang. Un patriotisme, se dire des choses vraies, dans un langage pur, simple, compréhensible par tous, comme le langage du général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui n'est autre que le chef d'État gabonais, et qui a décidé simplement, avec tous ses collègues de la Défense, la Sécurité nationale, de réunir tous les Gabonais. Sinon, comment comprendre qu'à une cérémonie funéraire, c'est-à-dire lors des obsèques du père de la nation gabonaise à Franceville, il s'est produit quelque chose d'exceptionnel qui aujourd'hui, 14 ans plus tard, nous avons décidé de vous représenter pour vous remémorer ce petit instant et laisser à chacun son interprétation. Quand on regarde à cette cérémonie,
des funérailles du président Omar Bongo Ondimba, des obsèques du président Omar Bongo Ondimba, regardez très bien cette image où on aperçoit une colombe blanche qui se pose sur l'épaule du général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui ne repousse pas l'oiseau et qui ensuite va se poser sur la tête du dernier fils du père de la nation gabonaise, le jeune Denis Junior Omar Bongo Ondimba. C'est un signe prémonitoire, à chacun de faire son interprétation. Mais il y a des signes qui ne sont pas trompeurs. Une colombe blanche sur l'épaule gauche de l'actuel chef d'État du Gabon, président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, et ensuite la même colombe blanche va se poser sur la tête du jeune et dernier fils du président défunt, Omar Bongo Ondimba, et de son épouse Edith Lucie Bongo. Que dire ? À chacun son interprétation. Il avait 2 ans à peine, en 1996, le jeune Omar Denis Junior Bongo Ondimba, lorsque sa mère, partie de ce monde, m'accordait une interview rarissime, jamais diffusée à date, dans laquelle elle évoquait l'esprit patriarche de son époux, Omar Bongo Ondimba, au cœur d'or, reconnu par tous les Gabonais et tous les Africains jusqu'en Occident. Elle me confiait au combien son époux avait pour le Gabon un patriotisme qui faisait du Gabonais l'Africain le plus envié du continent africain. Et c'est ce qu'a décidé de redorer comme blason l'actuel chef de l'État du Gabon. Peut-on être tenté de dire en toute sincérité, sans se tromper, que le 30 août 2023, les ancêtres gabonais, sous la coupole du maître des temps, à savoir Dieu le Père, a insufflé un patriotisme sans pareil aux forces de défense et de sécurité gabonaises qui, à l'unanimité, ont choisi un des leurs, à savoir le général Brice Clotaire Oligui Nguema, pour être celui-là même qui va ramener au Gabon sa dignité, ramener au Gabon l'excellence et le patriotisme qui fait de ce pays un pays qui a toujours été envié à l'époque du président Omar Bongo Ondimba et même du père de l'indépendance du Gabon, Léon Ba. Un reportage de Raoul Sankwe pour nous montrer ici l'investiture du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État gabonais. Arborant un costume d'apparat rouge de la garde républicaine, l'unité d'élite de l'armée qu'il commandait, le général Brice Oligui Nguema a prêté serment ce 4 septembre 2023 comme président de transition devant les juges de la Cour constitutionnelle gabonaise. Même s'il n'a pas fixé la durée de cette transition, il a promis d'installer les institutions plus démocratiques avant des élections libres. Notre pays, le Gabon, mérite des institutions fortes, crédibles, une gouvernance assainie, plus en phase avec les normes internationales en matière de respect des droits humains, des libertés fondamentales, de la démocratie, de l'état de droit. Je souligne par ailleurs que le Gabon est un pays indivisible dans sa diversité, de ses cultures, sa complexité ethnique et sa géographie. L'unité de notre peuple doit toujours être la condition essentielle pour l'exercice de nos libertés fondamentales. J'y veillerai personnellement durant toute la période de transition. De même, je m'engage à ce que les relations séculaires entre les Gabonais et nos frères étrangers soient toujours des relations de grande amitié. À l'issue de cette transition, avec l'apport de tous les Gabonais, partenaires au développement, nous entendons remettre le pouvoir aux civils en organisant de nouvelles élections libres, transparentes et crédibles dans la paix sociale.
Le général Oligui Nguema, désormais président de transition du Gabon, a également promis des élections libres et transparentes à l'issue de la période de transition et s'est engagé à amnistier les prisonniers d'opinion. Avant la cérémonie d'investiture, le général Oligui Nguema avait enchaîné successivement des heures de discussion très médiatisées avec l'ensemble des forces vives de la nation gabonaise, notamment les clergés, les chefs d'entreprise, les syndicats, les membres de la société civile, les leaders de partis politiques et anciens ministres, les organisations non gouvernementales, les diplomates, les bailleurs de fonds et les journalistes. Prenant consciencieusement des notes, il avait répondu longuement aux interrogations et aux doléances de ces derniers. Des actes qui, pour bon nombre de Gabonais, montrent que le général Oligui Nguema a à cœur de reconstruire un Gabon qui fait honneur à tous les Gabonais. D'ailleurs, le nouvel homme fort de Libreville n'a eu de cesse de marteler qu'il fait de la lutte contre la corruption et de la mauvaise gouvernance son principal cheval de bataille avec le redressement de l'économie et la redistribution des revenus et richesses du pays aux populations. Les retraités vivent mal. Et je veux que ce soit effectif dès maintenant. Je suis pratique et pragmatique. Par conséquent, je veillerai personnellement à ce que les propositions de ce jour soient concrétisées pour le plus grand bien de nos compatriotes. Un discours d'investiture acclamé de tous les Gabonais, signe d'unanimité, de joie et de réconciliation de tous les Gabonais. Pour rappel, les militaires putschistes avaient annoncé le 30 août la fin du régime Ali Bongo Ondimba, qui dirigeait le Gabon depuis 14 ans. Moins d'une heure après la proclamation de sa réélection lors des élections du 26 août, estimant qu'elles avaient été tronquées. Le lendemain, ils avaient proclamé le général Oligui Nguema, 48 ans, président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Ce 4 septembre 2023, au sortir de cette cérémonie d'investiture, les regards pleins d'espoir des Gabonais sont désormais tournés vers un avenir plus prometteur. Nous quittons le Gabon pour parler désormais de la Côte d'Ivoire, ce pays qui excelle dans la modernisation de toutes ses structures, dans l'organisation des élections, dans la paix, surtout dans le renforcement permanent de la cohésion sociale. Et grâce au leadership de son chef d'État, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Le président de la République qui est toujours au four et au moulin, à pas de répit. Et la journée nationale de l'excellence, qui avait été différée compte tenu des malheureux événements que nous avons connus, à savoir le départ de la Terre des Hommes de l'ex-président Henri Colombédier. Cette journée de l'excellence s'est tenue dans la salle des pas perdus de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, présidée par son excellence le président de la République Alassane Ouattara, qui avait à ses côtés sa charmante épouse, madame Dominique Ouattara. Reportage Laure Manel. C'est la prestigieuse salle des pas perdus de la présidence de la République de Côte d'Ivoire qui a servi de cadre à la cérémonie de remise du prix national d'excellence marquant les 10 ans de la journée nationale d'excellence. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Kone Tiemoko Meili, le premier ministre Patrick Hachi, les présidents des institutions, les membres du gouvernement, les chefs coutumiers traditionnels, les lauréats, tous ont pris place dans la salle pour l'ouverture de la cérémonie. C'est le premier ministre ivoirien, par ailleurs président du comité national du prix national d'excellence, qui a ouvert les séries d'allocutions. Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous a plu d'instituer en 2013 le prix national d'excellence, qui valorise les Ivoiriennes et les Ivoiriens modèles qui se sont dévoués, tout comme vous, et à leur humble niveau pour leur pays, pour le faire grandir et pour le faire rayonner. L'organisation de la présente Journée nationale de l'excellence, la 10e, participe ainsi de la volonté de promotion et de la mise en lumière de nos frères et sœurs qui se sont distingués par la qualité de leur travail et leur engagement, qui ont su forcer l'admiration
dans leur corporation. Patrick Hachi a rappelé que cette journée est une invite à chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne à redoubler d'efforts pour continuer à construire une grande nation. Pour cette édition spéciale anniversaire des 10 ans de la Journée nationale d'excellence, 83 prix ont été décernés à 36 personnes morales, 13 femmes et un couple. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, les a tous félicités, plus particulièrement les jeunes, en réaffirmant son engagement à soutenir la jeunesse ivoirienne et à garantir les meilleures conditions de leur plein épanouissement et leur participation active à la construction de la Côte d'Ivoire. Cette 10e édition est aussi l'occasion de faire un bilan et de procéder à une revue du dispositif afin d'améliorer davantage les éditions à venir. Je demande donc à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de conduire des réflexions dans ce sens et de nous soumettre des propositions dans les meilleurs délais. Chère lauréate, cher lauréat, pendant plusieurs années, vous avez travaillé dans la discrétion, avec courage et abnégation, pour être des modèles pour vos collègues, vos amis, vos familles et plus généralement pour l'ensemble de la société ivoirienne. Je voudrais donc vous adresser mes très vives et chaleureuses félicitations. Bravo à vous et je suis très, 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 très fier de chacune et de chacun de vous. Les lauréats, tour à tour, reçoivent des mains des personnalités ivoiriennes leur récompense. Il s'agit d'un chèque de 10 millions de francs CFA, d'un trophée et d'un diplôme. Parmi eux, la ministre de la fonction publique de la Côte d'Ivoire, prix national d'excellence du meilleur élu local, la star internationale Alpha Blondie, prix d'excellence des arts vivants, et Cissé Cheikh Sala qui remporte le prix du meilleur athlète ivoirien. Les femmes aident aussi, elles travaillent et les femmes permettent de relever les défis, de relever donc les challenges et de faire gagner les populations, de faire gagner les régions. Donc ça veut dire qu'on peut faire confiance à la femme. Merci Dieu, merci pour tout. Ok, toute cette gloire te revient et je voudrais vraiment te remettre ce qui te revient de droit, mon Seigneur. Merci de m'avoir créé et merci de m'avoir accompagné. Merci de m'avoir permis de vivre jusqu'à aujourd'hui. En tant que jeune sportif, c'est un réel plaisir pour moi de recevoir une énième fois ce prix-là. Ça fait plaisir de voir quand on travaille et qu'on est récompensé à sa juste valeur. Une photo de famille a mis fin à la cérémonie. Après la Côte d'Ivoire, mais c'est pas tout, on y reviendra encore pour quelque chose qu'on a réservé, parce que dans cette émission, on a décidé de parler de l'excellence et surtout de montrer et de donner envie aux jeunes Africains de faire leurs études, de prospérer et de penser à construire un temps soit peu pierre par pierre, pierre par pierre, l'édifice de nos différents pays africains. C'est pour ça que dans cette émission, nous avons décidé de prôner l'excellence et de nous montrer que tout ce qu'il y a de parfait. Et nos leaders affichent tout simplement une préoccupation incomprise souvent par le peuple. Et c'est à nous, hommes de communication, hommes de médias, de faire ce relais pour faire comprendre au peuple que font nos leaders. Nous allons quitter la Côte d'Ivoire pour la Chine. Mais qui dit Chine, nous parlons du Bénin, où le président Patrice Talon s'est rendu en visite d'État en Chine. Pourquoi ? La raison est simple. Son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, a effectué une visite d'État en Chine. Le président béninois était accompagné de son ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, du ministre des Affaires étrangères et du ministre de l'Industrie et du Commerce. Un reportage de Raoul Sankwe avec la précision chirurgicale en post-production de Marcel Massolé. Le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a entrepris une visite d'État en Chine dans l'objectif de consolider les bonnes relations diplomatiques qui existent entre la République populaire de Chine et la République du Bénin et leur donner une trajectoire un peu plus productive pour les prochaines années. Dans la délégation du président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, il y a trois ministres dont M. Romi Al-Wadani, ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances de la République du Bénin. M. Oulé Shogun, Adjadji Bakari, ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin, et Mme Shadia Assouman, ministre de l'Industrie et du Commerce de la République du Bénin.
Aussitôt arrivé à Pékin, où il a été accueilli à l'aéroport par Deng Li, vice-ministre des Affaires étrangères de Chine, Ping Jingtao, ambassadeur de Chine au Bénin, et Simon-Pierre Adovelandé, ambassadeur du Bénin en Chine. Le chef de l'État béninois, Son Excellence Patrice Talon, a entamé les activités prévues à son agenda en se rendant au musée de l'école du Parti communiste chinois pour faire sa découverte, guidé par Jing Shengtao, vice-président de l'école du Parti. Ce musée porte en son sein une bonne partie de l'histoire de l'Empire du Milieu. Fondée le 13 mars 1933 par le comité central du Parti communiste chinois, l'école du Parti est un centre d'excellence et de renforcement des capacités des fonctionnaires membres du Parti communiste qui permet de former les dirigeants chinois qui exerceront des fonctions importantes en province ou au niveau national. Pendant plus d'une trentaine de minutes, le président de la République du Bénin, Son Excellence Patrice Talon, a parcouru les archives et les photos présentes dans ce musée qui abrite la mémoire du parti et met en lumière les grandes figures de son histoire, depuis Mao Tse-tung jusqu'à Xi Jinping, président en exercice. Au terme de la visite guidée du musée, le chef de l'État béninois, Son Excellence Patrice Talon, et sa délégation ont eu une séance de travail avec les hauts fonctionnaires du Parti communiste chinois. Je vous remercie pour cet honneur qui est fait à moi-même et ma délégation pour venir à ce lieu emblématique du développement et du rayonnement de la Chine. C'était impressionnant de voir combien un outil central peut contribuer à travers le temps à l'efficacité et à la gouvernance pour porter la Chine là où elle est. Le développement durable n'est jamais l'effet du hasard. On voit bien que c'est un processus. Et cette école est dans le processus de pensée, de mise en œuvre des actions, et c'est de grande inspiration. Et quand on voit d'où la Chine est partie et combien de progrès vous avez réalisé en si peu de temps, et qu'on voit le mécanisme, c'est la formation, c'est l'engagement, et notamment des élites, des dirigeants. Et nous conduisons le destin de nos pays avec ce qu'on appelle du tout venant. Et malheureusement, les uns et les autres qui constituent l'élite de gouvernance n'ont pas les aptitudes qu'il faut, n'ont pas les prérequis, n'ont pas les formations, n'ont pas les niveaux d'engagement qu'il faut. Et pourtant, c'est eux qui doivent décider et diriger ces pays. Comprenez pourquoi l'Afrique attend de retard. La visite du président de la République du Bénin, Son Excellence Patrice Talon, démarre donc sous des perspectives prometteuses. Le respect de l'agenda permettra aux parties béninoises et chinoises de revisiter les différents domaines de coopération et de les booster à travers de nouvelles initiatives. Cette visite du président Talon en Chine n'est autre que de renforcer, effectivement, comme l'a si bien dit Raoul Sankwe, les relations diplomatiques et les relations aussi d'affaires entre ces deux pays. Partons maintenant au Tchad. Le Tchad, qui est ce pays d'Afrique centrale, situé tout simplement au nord du Cameroun, est dirigé par le général Mohamed Idriss Déby Itno, qui est proche de ses compatriotes et qui s'est rendu en visite, disons, officielle, dans la province du Lac. Le président tchadien, le général Mohamed Idriss Déby Itno, est allé à la rencontre de ses compatriotes dans la province du Lac, comme je le disais tantôt. Il y a eu au menu de cette rencontre une vingtaine de doléances à lui être présentées par ses compatriotes. Et le président tchadien a eu l'agréable plaisir de se voir réitérer le soutien indéfectible de ses compatriotes à sa politique. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a rencontré ce matin les forces vives de la province du Lac. Des questions d'ordre national, des sujets de développement local et en matière de paix ont été au menu de leurs échanges. Responsables civils, militaires et coutumiers, cadres ressortissants et représentants des différentes couches socioprofessionnelles, ils étaient près de 600 à venir écouter le message que le président de la République est venu livrer à ses frères et sœurs du Lac et écouter leurs préoccupations. Charge est revenue au gouverneur, Djibril Ratou
Raoul Gaudy de présenter les doléances de la population axée sur une vingtaine de points et lui transmettre toute leur admiration et leur adhésion à sa politique. « Notre soutien n'est pas à conquérir, il est déjà un acquis », dira le gouverneur. Le soutien réaffirmé et ajouté à la gaieté, à l'euphorie et à l'allégresse des populations ont réconforté le chef de l'État dans sa conviction et sa vision du lac. Une province, dit-il, aux populations dignes, fières, républicaines, dévouées et sans cesse engagées, un peuple debout quand il s'agit de la défense de l'intérêt supérieur de la nation. Si sur le contexte de sa visite qui s'inscrit dans le cadre de sa tournée nationale, le président de la République affirme qu'il est à Bol pour écouter, afin de mieux cerner les préoccupations et trouver ensemble des solutions aux problèmes les plus communs d'une part, et d'autre part, informer et entretenir les populations sur la marche du pays, autrement dit leur expliquer dans quelle dynamique se trouve le bateau commun. Faisant le bilan à mi-parcours, le chef de l'État estime que la seconde phase de la transition politique a permis d'engager un chantier gigantesque en matière de réformes et obtenir d'importantes réalisations, concourant toutes à la consolidation de la stabilité politique, à la promotion de la démocratie par révision du processus d'organisation des différentes consultations et à l'amélioration de la gouvernance. Évoquant l'opération de révision du fichier électoral en cours, le président de transition explique que c'est un exercice important auquel il invite ses compatriotes à adhérer activement en se faisant enrôler. La visite de Bol est aussi l'occasion de faire le point sur la lutte contre Boko Haram à la lumière des décisions fortes prises lors de la visite du chef de l'État à Bagassola. Le constat, une année après, est encourageant. Notre stratégie est concluante, se félicite le président de la République, mettant en avant la mutualisation des efforts entre les forces de défense et de sécurité, la population locale, mais aussi la tenue du forum de sensibilisation organisé par les cadres de la province. Même s'il faut remarquer que les capacités d'action de la nébuleuse Boko Haram sont réduites, le chef de l'État prévient que la menace est toujours présente. Il reste un résidu composé de bandits de grand chemin, transformés en coupeurs de route et en preneurs d'otages. Bref, à écouter le chef de l'État, il s'agit d'une stratégie d'évitement et de dissimulation face à laquelle il conseille une vigilance continue, s'appuyant sur des acquis sécuritaires obtenus. Langage de fermeté et de vigilance, mais le président de transition laisse pour autant la porte ouverte à ceux des Tchadiens se trouvant encore dans les rangs de Boko Haram, afin de prendre conscience et d'abandonner ses aventures sans lendemain, afin de rejoindre la dynamique de la construction d'un Tchad havre de paix et prospère. Donnant instruction au gouvernement à travailler d'arrache-pied afin de commencer sans délai à exécuter les priorités de réponse aux doléances portées à son attention, le président de transition a ordonné la résiliation pure et simple des contrats pour incapacité de la société ayant en charge le bitumage du tronçon Goury-Mbol et de relancer le processus d'appel d'offres pour engager les entreprises compétentes et présentes au Tchad. Les travaux de construction du lycée moderne de Bol, du collège d'enseignement général, de l'école communale, du stade de Bol, des bureaux et de la résidence du gouverneur seront achevés. Idem pour les 14 centres de santé dans le département de Mamdi et 5 autres centres de santé dans le département Wayi, à Goury et 5 dans le département de Kaya. Deux projets d'aménagement des pistes mises en instance à cause des difficultés financières depuis 2014 seront lancés très prochainement suivant les instructions du président de transition, lesquelles astreignent également le gouvernement à faire diligence concernant le projet de bitumage de la route Liwa-Rigrig et la construction de l'hôpital provincial de Bol. Après le Tchad, où nous avons eu l'agréable plaisir de voir cette rencontre entre le président de la République tchadienne, le général Mohamed Idriss Déby Itno, et ses compatriotes, nous allons repartir encore sur le Gabon. Je vous ai dit au début de cette émission que cette émission sera énormément rythmée par l'actualité gabonaise qui focalise vraiment tous les Africains, de par, je dirais même, le côté inique de ce qui se passe au Gabon et qu'il est aujourd'hui, désormais, selon le général Brice Clotaire Oligingema, d'appeler tout simplement le sauvetage de la nation. Comme l'a dit si bien le président de la transition, chef de l'État gabonais depuis sa prise de pouvoir, de sauvetage de la nation gabonaise, et qui a reçu toutes les couches sociales, en commençant par le clergé, les diplomates, les décideurs économiques, le corps administratif gabonais, les responsables de partis politiques et récemment le président en exercice de la CEMA, qui est le président de la République centrafricaine, Archange Touadéra, sans omettre de relaxer certains prisonniers politiques ou encore des prisonniers qui n'y ont été que par les différentes fantaisies de l'ex-régime. S'en est suivi le président de l'Union nationale
gabonaise d'alors, à savoir M. Zakari Miboto, qui lui aussi a été reçu par le chef de l'État gabonais désormais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Et M. Zakari Miboto ne s'est pas retenu, a laissé éclater sa joie en précisant qu'il a souhaité voir ce jour depuis 2001 et de remercier Dieu pour avoir inspiré les forces de défense et de sécurité à stopper la souffrance et la misère des Gabonais. C'est alors aussi que dans la même journée, une rencontre qui était très attendue par la communauté nationale gabonaise et internationale était l'audience du président de la Cour constitutionnelle gabonaise, Madame Marie-Madeleine Bourantso. Le Gabon, depuis le 30 août, a montré aux yeux du monde la maturité de son peuple, un patriotisme qui force l'admiration et qui prouve que les Africains, par la voix du Gabon, ont tourné la page du désordre ambiant et des effusions de sang à répétition et irresponsables qu'on a eu coutume de voir ici et là. Au Gabon, il a s'agi de sauver la nation dans la paix. Pour preuve, à peine moins d'une semaine, l'ancien président Ali Bongo Ondimba est autorisé à se déplacer comme bon lui semble sur le territoire national et même à l'étranger, où il peut aller suivre ses soins et faire ses examens médicaux. Quelle grande leçon de patriotisme et de paix infligée par le Gabon à toute la planète. Un des derniers maillons de toute la réception, de toute la succession de rencontres avec le président de la transition, chef de l'État gabonais. Une des rencontres qu'attendait, nous le savons bien, toute l'Afrique, tous les Gabonais, toute la communauté internationale, avec tout ce qui se disait, était cette fameuse rencontre entre le président de la transition gabonaise, chef de l'État désormais, à savoir le général Brice Clotaire Oligui Nguema, une rencontre qui s'est effectuée dans un esprit patriotique inégalé entre le chef de l'État gabonais qui avait à ses côtés tous ses collègues de la sécurité et de la défense nationale gabonaise et le président de la Cour constitutionnelle dissoute. Une cour constitutionnelle qui va céder sa place à une nouvelle cour constitutionnelle de transition. Poursuivant sa série de rencontres avec les forces vives de la nation et la classe dirigeante, le chef de l'État gabonais, président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a échangé ce mercredi 6 septembre 2023 avec le président de la cour constitutionnelle gabonaise, Madame Marie-Madeleine Bourantso. Il s'est agi au cours de cette rencontre de la mise en place d'une nouvelle cour constitutionnelle de transition suite à la crise électorale du 30 août dernier qui a conduit à sa dissolution par le comité pour la transition et la restauration des institutions, de toutes les institutions de la République au pouvoir, depuis le 30 août 2023. Les échanges ont porté entre autres sur la mise en place d'une nouvelle cour constitutionnelle de la transition. Madame Marie-Madeleine Bourantso a été une figure marquante de la cour constitutionnelle gabonaise, ainsi que la cheville ouvrière de la construction de ce beau siège qui honore le Gabon. Il a été question de la mise en place d'une cour constitutionnelle de la transition. Vous savez que toutes les institutions ont été mises à plat. Et cet après-midi, Monsieur le Président, entouré de tous les membres du comité de transition, m'ont fait l'honneur de me recevoir et me faire part des raisons qui ont amené les forces de défense et de sécurité à interrompre le fonctionnement régulier des institutions. Dans quelques jours, le président de transition mettra en place une cour constitutionnelle de transition et naturellement, je passerai le flambeau au président de la Cour constitutionnelle de transition. C'est tout à fait normal, c'est dans l'ordre normal des choses que une nouvelle ère puisse voir le jour. Et après tant d'années de service à la tête de cette haute juridiction. Sur décision du chef de l'État, président de la transition gabonaise, une nouvelle cour constitutionnelle de transition avec des nouveaux membres issus des 9 provinces du Gabon et un nouveau président de cette haute institution seront installés et un passage de témoin au sommet de cette haute institution dans l'intérêt supérieur du Gabon.
Le président de la transition, chef de l'État, décrète. Article 1er. Le présent décret, pris en application de la charte de la transition, porte nomination du Premier ministre, chef du gouvernement de la transition. Article 2. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement de la transition, Monsieur Raymond Ndong Sima. Article 3. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré, publié selon la procédure d'urgence et communiqué partout où besoin sera. Fait à Libreville, le 7 septembre 2023, par le président de la transition, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vous remercie. À la nation gabonaise, toute l'équipe de CNN, de CDirect, de NTV souhaite bonne chance et que Dieu bénisse le Gabon et qu'il protège l'Afrique. C'est l'heure du grand format. Le grand format de cette émission est consacré à une réalisation pharaonique d'un leader africain, d'un pays, il faut le dire, la Côte d'Ivoire. Il y a plus de 2 ans, notre chaîne de télévision diffusait à répétition un film maquette en 3D d'une réalisation que projetait celui qu'il est désormais appelé, sans l'ombre d'un doute, l'homme au deuxième miracle ivoirien, à savoir le président Alassane Ouattara. Un projet que les sceptiques appelaient une propagande. Un projet irréalisable pour eux. Pour ceux vivant en Côte d'Ivoire, c'était clopin, clopant. Enfin, ce projet est là. Et les Ivoiriens sont fiers. En ont même décidé d'en faire une référence monumentale à l'exemple de la Tour Eiffel pour la France, du Monument de la Liberté aux États-Unis à New York, et un quelque chose aujourd'hui qui prouve simplement que ce leader africain, ce chef d'État, parle peu. Mais réalise tout pour le bonheur de ses compatriotes. L'équipe de CNN a décidé de vous représenter ce film maquette comme pour confondre les ennemis de l'Afrique et leur dire simplement qu'il y a certains qui parlent peu, disent des choses et surtout passent de la parole aux actes. Vous verrez ce film qui a été multidiffusé, vous verrez sa réalisation à l'état actuel. C'est l'heure du grand format. Le pont de Cocody va relier le plateau, centre administratif d'Abidjan, à la commune résidentielle de Cocody. Il constitue un élément essentiel du fonctionnement de la ville et participe à la valorisation et à l'embellissement de la baie de Cocody. Il s'agit d'un ouvrage d'envergure dont l'architecture marquera le paysage et l'identité d'Abidjan, comme la cathédrale Saint-Paul ou la future tour F de la cité administrative. L'ouvrage s'étend sur un linéaire de 1500 mètres environ. Il enjambe le boulevard lagunaire est du plateau, la future marina et le nouveau chenal avec une seule travée aubanée de 200 mètres de portée. Le pylône de 100 mètres de hauteur est retenu par 4 paires de haubans ancrés dans une culée lest. Plus à l'est, après le demi-échangeur de la clinique Pisam, l'ouvrage se poursuit par un viaduc de 250 mètres qui se raccorde directement sur le boulevard de France avant de rejoindre l'église Saint-Jean de Cocody. Le pont est prévu pour recevoir un trafic d'environ 29 000 véhicules par jour, ce qui soulagera d'autant le carrefour de l'Indénier qui est au bord de la congestion aux heures de pointe.
Son tablier comporte deux chaussées avec deux voies chacune séparées par un terre-plein central. À l'ouest, l'ouvrage débouche en plein cœur des tours de la cité administrative au pied de la future tour F. Depuis le boulevard Lagunaire, l'accès au nouveau pont se fait par un petit viaduc courbe de 150 mètres de long. Sa pente est limitée à 4% afin qu'il soit aisément praticable par les piétons et les personnes à mobilité réduite. Des passages latéraux protégés permettent la circulation des piétons et des cycles. Les voies actuelles raccordant le boulevard de France au carrefour de l'Indigné seront maintenues. La voie montante passera sous le nouveau pont, devant la culée l'Est, puis dans un petit pont cadre sous la nouvelle voie. Les liaisons avec le boulevard Hassan II et l'hôtel Ivoire seront également maintenues et complétées par un giratoire et de nouvelles bretelles se raccordant au boulevard de France. La voie descendante du boulevard de France permettra de monter sur le nouveau pont tout en maintenant une liaison vers le carrefour de l'Indigné. De même, il sera possible d'accéder au nouveau pont en venant de la rue de la Canebière dans le quartier Pisane. Avec son pylône original en béton blanc et son tablier métallique d'une très grande finesse, le pont de Cocody allie résistance et élégance. Il constituera un monument remarquable du paysage urbain et deviendra un symbole de la ville d'Abidjan. Premièrement, cette infrastructure va permettre donc une fluidité, va faciliter la fluidité routière à Abidjan. Ensuite, va faciliter la question de la lutte contre l'insécurité routière. Le président Ado, c'est le meilleur président de l'Afrique. On était bien, vraiment, on remercie le président. Ce sont des choses qu'on vit pratiquement une fois dans sa vie. Et nous tenons vraiment à féliciter le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour son action de développement. Très heureux. C'est un grand jour pour la Côte d'Ivoire. C'est une fierté pour nous d'être là. Et je souhaite à la Côte d'Ivoire encore beaucoup plus de réalisations à l'avenir sous l'égide du président Alassane Ouattara. Un ouvrage qui fait honneur à la Côte d'Ivoire, à toute la population de Côte d'Ivoire. On tient encore à dire merci, merci, merci au président de la République. Je pense qu'aujourd'hui, l'œuvre est là. Elle est très belle. Nous en sommes tous fiers. Nous sommes venus pour célébrer cette allégresse et nous partons, nous sommes là et nous sommes fiers du président Alassane Ouattara. Je suis fier de ce que papa Ado a fait. Mes parents le supportent. Gouvernement, je m'en doute qu'à fond, pas son milliard. Mettez-nous, il est très fort, nana, pas son milliard.
sommes vraiment fiers de voir l'image de la Côte d'Ivoire à un tel niveau. Nous ne pouvons pas dire autrement que lui dire merci. Parce que grâce à lui, nous, notre nouvelle génération, là, nous savons comment construire des ponts. Amala Sarufok, Barika Baraka de Nangama Douaboudé. Je suis fier d'être ivoirien. Parce que quand on voit ce que notre président a fait pour la Côte d'Ivoire, on est fier. Quand tu t'en vas ailleurs, quand on te demande, tu es fier de dire que tu es ivoirien. Il n'y a pas l'homme pour lui. Il est très très fier de lui. Il est champion. Il n'y a pas son deuil. On est fier de lui. Nous sommes fiers de notre président. Ah, on remercie le président pour tout. Merci, papa Ado. Akaponike. Ali Biala Balaka Douala, Ala ya mian kolo, Ala sababu nyuma di. Il faut dire non que maintenant on peut faire cocody plateau en moins de 4 minutes, c'est vraiment magnifique. Merci au président de nous avoir ramené Paris à Abidjan parce que le nouveau pont, franchement, c'est sans commentaire, c'est Paris. Avant, on fait des kilomètres par au plateau. Voilà, aujourd'hui, de Kourodi, si tu es en forme, en 1 minute, en 2 minutes, tu es déjà sur le plateau. Voilà, donc je souhaite à tous les frères aussi vendre le pont fort pour nous. Mais nous aussi, au moins, prenons soin du pont. Nous sommes actuellement sur le nouveau pont que le père Ado, le père de la nation, le père le plus aimé de la Côte d'Ivoire a fait. Nous sommes ici pour visiter ce nouveau chef-d'œuvre que nous a offert notre papa adoré, notre grand cœur, Alassane Ouattara. Nous sommes fiers, papa, grâce à toi, la Côte d'Ivoire va de l'avant. Et nous sommes prêts à travailler aussi pour t'accompagner dans tes manœuvres. Merci, papa, grand cœur à toi et vraiment félicitations. Moi, je suis vraiment content de ce que le président a fait. Tellement bon. Moi, je suis Benoît de nature, je suis Benoît. Je suis venu passer des vacances. J'ai jugé bon de venir faire un tour sur ce pont à Auban parce que je suis du génie civil, au fait. Voilà, donc je rêvais même de voir un pont à Auban. C'est vraiment merveilleux de voir ça à côté de moi. C'est le Bénin qui est là-bas, la Côte d'Ivoire, à Abidjan, ici et tout. Non, je suis vraiment émerveillé. C'est la triple fête de l'Afrique. On remercie vraiment le président Alassane Ouattara de nous avoir donné ce pont cadeau. Il ne fait qu'à dire merci. S'il y a un mot, derrière le mot merci, on allait dire ça à notre président. Franchement, on est fiers d'être ivoiriens, fiers d'être africains. Allez, adieu Paris, adieu New York. Non, New York, Paris, là, ça se trouve en Côte d'Ivoire ici. Alors, nous sommes venus regarder le 5e pont du pays. C'est une fierté pour ce pays-là, pour cette Côte d'Ivoire, que Dieu protège ce pays, le 225, puis que Dieu protège le président Ado, Alassane Ouattara. Je vois que depuis le président Ado est là, beaucoup de choses ont changé en Côte d'Ivoire ici. Si tu viens sur le pont, tu auras l'impression que tu es en Europe, au fait. Je vous invite, venez visiter le pont. Merci au président. Le président, il a travaillé. Moi, depuis que je vis, c'est le seul président à son temps que pour moi, tout est magnifique, joli. Tout ce qu'il fait pour nous, tout ça, c'est des moyens de transport qui va permettre, comme on a ceux qui sont véhiculés, à pouvoir avoir assez facilement à leur domicile. C'est un très, 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 très joli pont.
Vraiment, on remercie le président. Tellement je suis content. Non, c'est petit Paris, quoi. Franchement, c'est un beau pont. Ça donne de la valeur encore à la Côte d'Ivoire. Et puis, dis toujours merci au président pour tout ce qu'il fait pour nous. Merci. Mon bon pays, je t'aime. Mon pompon, c'est trop chic. Franchement, je suis très heureuse. Je suis venue visiter le pont pour voir franchement ce beau pont que le président nous a offert. Franchement, je lui dis merci. Que Dieu continue de le bénir. Je suis très fière de mon pays. Je suis très fière de ce que le président a accompli. Et je lui souhaite longue vie. Le pont, il est génial. Vive la Côte d'Ivoire, vive le papa Ado. Longue vie, vive la Côte d'Ivoire. Amé Ado faux, Amma faux. Toi, il faut voir comment le pays est joli. Le pont, au fait, il n'y a pas de mots, quoi, wallahi. And this is my first time visiting this bridge. And it's a very nice place. The president is really doing well. Impressionné par l'œuvre du président Alassane Ouattara, ce pont fait vraiment la fierté de la Côte d'Ivoire. On a plus besoin d'aller à Paris. On n'a plus besoin d'aller. Ici, c'est un petit Paris pour nous. Je suis venu admirer le beau travail de notre papa cher Ado. Le président Guépa, le baptisé infatigable, celui-là même qui donne corps et âme pour développer son pays. Le pays est joli, beaucoup d'animaux à mon pays. Tout en remerciant toute l'équipe de CNN qui vous permet de vivre et d'avoir cette émission Constique All Week News de manière hebdomadaire. Je pense à Ousmane Koulibaly au cadrage, je pense à Lévite Vaumont qui assure la diffusion et la programmation, je pense aussi à Stéphane Nougoué, je pense à Eric Bikek, Gozo, Richard, sans oublier Raman Cole, attaché de production Jean-Marie Béga et surtout celui-là même qui est le cuisinier en chef en post-production qui n'est autre que Marcel Bassolet. Quant à moi, Constique, je donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.